Si Dieu est omnipotent, est-ce qu'il peut créer une chose plus puissante que lui? Franchement, Dagoberto, je me fous des paradoxes de papa. Aujourd'hui, tout ce qui m'intéresse, c'est trouver une cage plus grande pour mon canari. Il est malheureux et il chante plus. Le concierge dit qu'il y a des reins. Ça sera mieux de tout jeter. Fais-moi confiance. Il y a tous les souvenirs de mon enfance ici. Poubelle, alors. Allons-y, Max. Ce n'est pas le bon moment d'arriver en retard avec ces bordels de crise. Allez. Mais avant, je dois dire au concierge d'amener mon piano à l'appart. Allez. En parlant de délatisation, ils sont ici depuis hier. Ça n'a pas de sens ce qu'ils veulent. Merde, tu ouvres une usine, tu prends tous les risques, et puis les syndicats cherchent à te ruiner. Mais si l'on ferme la baraque, tout le monde perd son boulot. Rentrez chez vous, connard! Go home, homeless! Hey. Et puis tu vas voir qu'on ne va même pas la faire, cette fusion. T'as ma parole d'honneur. Nous la facciamo. J'ai même pensé à un nouveau logo pour la société, voilà. C'è la ragazza di cui parlava prima? Chi? Oui, c'est cette fille. C'est moi qui l'ai fait appeler. Mademoiselle Marie, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi on vous a convoqué? Peut-être parce que vous avez commencé les licenciements avant même d'être avalé par une multinationale. Félicitations. Franchement, c'était aussi un peu pour la tomate que vous m'avez lancée l'autre jour. Mais de toute façon, il n'y a aucune fusion en vue. Ce ne sont que des bruits de couloir. Dis-le-lui, Max. Aucune fusion. Mais vous vous occupez que de cette histoire de tomate, alors que tout le monde vous déteste. Tenez, même votre assistante. Peut-être qu'elle a craché dans votre cappuccino. Peut-être même que je l'ai vu faire. Bon. On voulait vous dire qu'on vire pas quelqu'un juste pour une tomate. N'est-ce pas, Dagoberto? Je peux partir tranquille, alors. Même si je ne crois pas un mot de tout ce que vous venez de me dire. Non. Grazie. Génial. J'aurais mieux fait de te laisser là où tu étais. Vous avez réussi à sortir un son de ce truc? Comment vous avez fait? Ah non, mais je l'ai pas touché. Je pensais qu'il était complètement foutu. Comment vous savez où j'habite? Vous inquiétez pas pour aujourd'hui. Je
pensais que c'était pas juste de virer quelqu'un parce qu'il manifeste. Mais je suis pas venue ici pour vous remercier. Ah bon? Vous avez viré déjà 2 personnes ce mois-ci, et avec la fusion que vous êtes en train de nous préparer, vous allez nous virer presque tous. Et je devrais vous remercier pour ça. J'imagine que non. Ça fait 20 ans qu'il est dans la cave. Quand j'étais plus jeune, je rêvais de devenir pianiste. J'ai dû apprendre en cachette de mon père. Mes amis musiciens m'ont jamais pardonné d'avoir abandonné. Un jour, ils m'ont crié « Tu as trahi ta muse. Tu vivras dans le silence. » Une sorte de malédiction. Non mais vous êtes où, là? Est-ce que vous pouvez seulement vous imaginer ce que ça veut dire de rester sans travail? Je suis en train de vous parler d'un engagement social. Réveillez-vous! Pourquoi vous m'en regardez comme ça? Je suis jolie quand je m'énerve, c'est ça? Vous voulez prendre un café? Vous voulez rentrer? Tu oublieras, toutes tes notes. Tu vivras dans le silence. Ces coupures de personnel sont nécessaires. Vous êtes jeune. Vous savez, il y en a de 50 ans qui perdent leur travail. Et là, je comprendrai. Là, je n'ai rien. Si un homme de votre expérience s'inquiète, qu'est-ce que devrait dire un petit jeune? Vous retrouverez du travail sans aucune difficulté. Ou alors, vous pouvez faire tout ce que vous avez toujours rêvé de faire. Signor, non saprei come dirlo. Dagoberto, comment on dit virer en italien? Licenziata, signore. Vaffanculo, 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 vaffanculo! Vaffanculo, 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 vaffanculo! Attendez! Vous êtes venu pour me tuer cette fois? Bon, écoutez, je suis désolée, je voulais pas vous faire mal. Je voudrais seulement vous parler, comprendre. Mais pourquoi vous faites ça? Vous croyez que je n'ai rien à faire de ces gens? Qu'elle soit facile pour moi? Je suis pas comme mon père, et je serai jamais comme lui. Et j'ai pas envie de signer ce contrat de fusion. Vous croyez que ça me fait plaisir? Enfin, il y a d'autres alternatives. Enfin, on pourrait baisser nos salaires. Puis on n'est pas obligé de s'acheter une troisième voiture ou de partir en vacances aux Caraïbes. On vire des gens, et nous, on part aux Caraïbes. Aux Caraïbes. C'est quoi toutes ces cages?
T'avais une nuée de canaris quand t'étais petit? Au fait, ta radio fonctionne plus. Je sais. Depuis que le piano est ici, tout ce qui a trait à la musique ne fonctionne plus. L'ampli, la stéréo, même la télévision ne marche plus. Ah bon? Mais c'est quoi le rapport avec le piano? Il est maudit. Fais ce que tu veux. Mais on ne peut pas les faire attendre toute la journée. Décide-toi. Tu sais ce que dirait ton père? Il dirait, l'avenir n'est plus ce qu'il était. L'avenir non è più quello d'una volta. Dis-moi que tu ne fais pas ça par amour, je t'en prie, parce que alors tu n'as rien compris. Tu sais ce qui se passe si tu ne signes pas? Tu vas passer les prochains 6 mois à virer des gens. Si vraiment tu veux emmerder ta petite bolchevique, alors c'est vraiment le bon truc à faire. Je te permets pas de parler d'elle comme ça. Dans cette histoire, c'est la seule chose propre qui me soit arrivée. On peut pas toujours tout salir. Très bien. C'est toi qui détiens les 51%. C'est à toi qu'appartient la décision finale. Et l'argent ne fait pas le bonheur, n'est-ce pas? Ton père t'a appris à être un patron. Peut-être même que c'est la seule chose qu'il t'a appris. Mais il n'est quand même pas rien. Donc maintenant, tu signes. Parce que c'est ça que tu es. L'avenir n'est plus ce qu'il était. Bon garçon. Un médecin qui soigne tout le monde reste son travail. Le piano? Il n'est plus là. Et maintenant que t'as mis 200 personnes à la rue, qu'est-ce que tu vas faire? Tu pars aux Caraïbes? Tu m'emmènes?